Bonjour. La fin du mois d'août approche très doucement. Il fait encore chaud ici, 34 degrés aujourd'hui. Les cigales sont encore vivantes. Mais elles aussi, ça n'était bizarre pour elles. Elles se sont réveillées plus tôt que d'habitude, il me semble. Mais peut-être faisait trop chaud, j'en sais rien. On en entend encore. Normalement, après le 15 août, il y en a de moins en moins. Ou alors celles du soir. On a plusieurs sortes de cigales. Il y a celles qui sont super bruyantes le matin, qui sont insupportables. Et puis, il y en a d'autres plutôt le soir, qui sont moins insupportables. Mais là, c'est celle du matin. Bon, bref. Les petits mots. Je prends mes lunettes. Je prends ma boîte. J'ouvre la boîte. Je touille. Et il y en a un qui est tombé. Ça sera lui. Je ferme la boîte. Je fais un commentaire sur le fait que la boîte ne se ferme pas bien. Mais je n'en changerai pas, je pense, avant la fin. Ah, vraiment, aujourd'hui, elle ne veut vraiment pas se fermer. Je ramasse le petit mot. Aujourd'hui, le dessin, c'est quoi ce dessin? Une goutte d'eau sur une plume, c'est mignon. Et donc, fais preuve de gentillesse envers tous ceux que tu rencontres. Leur combat est peut-être plus dur que le tien. Ça, c'est vrai. J'approuve. Essayons d'être gentils avec les gens qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne les connaît pas. On ne sait pas ce qu'ils vivent, tout simplement. Ah oui, c'est de Platon. Vraiment, il y a pas mal de coïncidences là-dedans. Hier, l'autre jour, l'autre vidéo précédente, c'était Aristote et aujourd'hui Platon, donc, que l'on ne présente plus non plus. Je vous rappelle quand même que Platon était le maître à penser d'Aristote. Donc, il le précède. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.